Salut tout le monde, c'est Douk. Aujourd'hui, pour ma 20e verrine, je vous propose une verrine salée très fraîche qui peut être dégustée lors d'un apéro ou d'une entrée avec une délicieuse sauce balsamique. C'est la melon concombre feta. Pour cela, il vous faudra préparer un quart de melon, un demi concombre, 150 g de feta, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi cuillère à soupe de vinaigre balsamique et quelques feuilles de mâche. Les verrines utilisées auront une capacité de 8 centilitres, correspondant à 119 calories chacune. Pour commencer, on récupère le concombre et on l'épluche. Puis, on le coupe en tout petits cubes. Une fois la découpe du concombre effectuée, on répète la même opération, mais cette fois-ci pour le melon. Concernant la feta, on va faire une découpe un petit peu plus grossière car celle-ci est très friable. Une fois les trois aliments préparés, on y ajoute 2 à 3 pincées de sel et on les mélange. Et ensuite, on passe au dressage en remplissant complètement les verrines avec le mélange effectué précédemment. Puis, on va préparer la sauce. Pour cela, on récupère le récipient de la feta, on le rince et on y ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère et demie de vinaigre balsamique avec une pincée de sel et on mélange le tout. Dès que votre sauce est homogène, vous allez verser 2 cuillères à café dans chacune des verrines. Et pour conclure, nous récupérons quelques feuilles de mâche que l'on dépose sur le dessus de la verrine, et voici le résultat. C'était la verrine melon concombre feta. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier de bien activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines verrines. Je vous laisse découvrir d'autres réalisations effectuées précédemment. Salut !